Bonjour. Nous allons faire le rig de ce personnage, son et Max. Nous allons faire cela en plusieurs parties. La première partie va consister à créer le squelette. Et pour la création du squelette, bah, on va bien entendu positionner les différents joints. Après avoir positionné ces joints, on va vérifier leur orientation et orienter les joints correctement. Après l'orientation des joints, il va y avoir euh, l'ordre de rotation des joints. On va ajuster l'ordre de rotation de façon à ce que ça convienne à notre animation. Et pour terminer, il y aura juste à renommer les joints. Ça, ça va être la première étape pour les joints. Et après cela, ben, on va commencer à faire le rig, c'est-à-dire y mettre les différents éléments de contrôle pour pouvoir animer ce personnage. Pour commencer, on a en ce moment ce groupe-là qui contient toute la géométrie qui est en ce moment sous ce layer. Alors, vu que c'est l'original, je vais en faire une copie de façon à ne pas toucher à l'original. CTRL D, la copie est faite. Cette copie, je vais la renommer. Et cette copie, c'est ce, ce qu'on va appeler un proxy. Alors, proxy. Donc, je renomme ça proxy. Et là, je vais enlever le 1 à la fin. Alors, ce proxy, en ce moment, il va se trouver sous ce layer. Euh, je vais euh, enlever ce proxy, c'est-à-dire ce groupe du layer. Comme on peut le voir, les deux sont sous le layer. Alors, bouton droit, et je vais choisir Remove Select, euh, Selected Object. Alors, je vais essayer de le faire ici pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, Remove Selected Object. C'est fait. En ayant enlevé cela, je peux cacher mon layer. Et en ce moment, ce qu'il vient de faire, c'est cacher finalement ce groupe-là. Maintenant, dans le Nouveau Groupe, bon, on va faire un petit peu de ménage. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder finalement l'essentiel qui va être la géométrie. Alors pour ça, je prends tout, je vais effacer tout sauf cette note là. Delete, là c'est fait. Donc là j'ai euh, vraiment le minimum. Et le proxy, ben, c'est là que je vais pouvoir euh, par la suite départager, c'est-à-dire extraire les différentes parties de mon personnage. Exemple, je pourrais prendre les faces ici qui correspondent au pied. Et pour l'extraction, là on va euh, utiliser ce bouton là. Bon. Euh, pour l'extraction, ben, je vais pouvoir... Alors je vais juste vérifier si j'ai pris les bons éléments. Alors ça a l'air d'être bon. Quoique il va me rester ça à choisir. J'ajoute cette face-là. Ainsi que celle-là. Donc ça c'est fait. Alors est-ce que j'en profite pour faire l'autre côté aussi Alors bon, peu importe. Pour l'autre côté, Bon, je pourrais le faire. Ben, je vais décider de ne pas le faire. Et en gros, euh, j'utiliserai mes outils de modélisation en allant sous modeling ou encore euh, euh, ici je devrais avoir euh, sous polygone ici et ça va être ce bouton là qui va être le extract et euh, la façon longue pour aller chercher le extract en étant sous module modeling je vais pouvoir aller sous edit mesh et ensuite on va le trouver alors le extract euh, il est là alors ce que ça nous fait je clique dessus et voilà ce que ça fait. On a cette surface là. Bon, pour l'instant, j'en veux pas. Enfin, peu m'importe. Ça, j'aurais pas dû le sélectionner, c'est pas grave. Euh, et voilà ce qui nous intéressait ça va être ça. C'est-à-dire, on a le pied d'un côté, enfin, le bout du pied et le reste du corps et après avoir fait ça en fait lorsque je fais ça ça me crée une note d'historique donc ça va être euh, important d'effacer l'historique le plus sou euh, souvent possible alors je fais juste euh, une introduction finalement à l'extraction alors euh, je vais faire euh, edit euh, vu que je n'ai que de la géométrie je peux me permettre d'effacer de, toute l'historique la, la, donc delete all by type history et là on vient de voir que ça, on vient de se débarrasser de la note euh, euh, transforme et ensuite euh, je prendrai une fois que j'aurai divisé mon personnage c'est à dire j'aurai extrait toutes les pièces de mon personnage toutes les parties bah, je prendrai toutes les géométries alors je vais me mettre en mode objet et là je sélectionne toutes les géométries et je vais faire un shift p le shift p va correspondre à edit Unparent, comme on peut le voir ici shift p comme ça, toutes mes notes sont toutes seules. Alors là, j'ai la petite partie que j'avais ici, euh, le, le bout du pied, ainsi que le reste du corps. Et euh, euh, ensuite, je vais organiser tout ça. Donc, je vais prendre le groupe ici qui ne me sert à rien maintenant. Je l'efface. Et tout ça, les, toutes les différentes parties, je vais les mettre sous euh, le groupe qui est ici, qui s'appelle Proxy. Alors, ça va être à vous, alors, dépendamment du nombre d'éléments que vous avez, vous allez pouvoir, euh, si vous le désirez, organiser, c'est-à-dire, bien entendu, on va renommer les nodes et organiser, exemple, mettre euh, toute la main droite sous un groupe, la main gauche sous un autre groupe, de façon à ce que ce soit plus facile de retrouver les différentes parties du personnage. Alors, ça, ça va être l'introduction, c'est-à-dire euh, pour le proxy, et euh, plus tard, euh, je viendrai avec une scène où vous va y avoir un proxy qui va être déjà fait. Alors, je vais travailler à partir de cela. Euh, on va maintenant placer les joints. Pour le placement des joints, ça va être assez simple. Je vais commencer par les jambes. Alors, pour les jambes, je me mets en vue de côté. Alors, ce que j'aime bien, c'est travailler en affichant finalement les fils de fer. Alors, je vais cacher ma grille ici. Elle est cachée. Et pour afficher les fils de fer, c'est-à-dire et en même temps que ce soit shadé, c'est avec le bouton qu'il a qui est wireframe unshaded. Donc voilà, et euh, ça m'aide. Euh, alors, je vais recommencer celui-là. Alors, ça m'aide pour, euh, euh, pour le placement de mes joints. Alors, cette zone-là va correspondre finalement à la hanche de mon personnage. Alors, donc, quelque part ici, je vais placer mon premier joint qui va être le joint hip. Alors, pour ça, je vais aller dans le module rigging. Ensuite, skeleton create joint. Alors, j'aime bien utiliser les options par défaut, donc je fais un reset après avoir été dans les options. Et là, je vais placer mon premier joint. Alors, euh, je vais en placer un n'importe comment pour vérifier une chose. Alors, pour moi, ça va. Il est fort possible que pour vous, euh, par défaut, que vous ayez euh, euh, la fonction x Junk désactivée. Alors, euh, alors, pour le x Junk, je suis un petit peu, on va dire, euh, euh, les icônes, je ne suis pas encore tout à fait habitué aux, nou aux nouveaux icônes. Euh, lequel que c'est... Ah, c'est celui-là. Parfait. Alors donc par défaut vous devez avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire quand je crée les joints, voilà ce que ça fait, on ne voit pas mes joints. Alors pour être capable de les voir comme ce que euh, j'avais, bah, on va utiliser ce, cette icône-là, le X-Ray Joint, et en, en utilisant cette, euh, cette icône-là, bah, ce bouton, on peut voir les joints. Alors maintenant, on va commencer à faire cela sérieusement. Je vais vérifier dans mon outliner, ok parfait, j'ai pas de joints en trop, et là je peux revenir à cette vue-là. Alors, euh, la texture pour l'instant ne me sert pas vraiment à grand chose et je pourrais même mettre un Lambert sur mon personnage entier, ça ne change pas grand chose pour moi. Alors euh, le joint. Donc création du joint. J'ai mon bouton qui est là ou encore je peux toujours aller ici Create Joint. Alors, on avait dit qu'on commençait ici. Donc voilà. Ça, ça va être pour la hanche. Ensuite, au niveau du genou. Je vais imaginer on va dire on a cette masse là, cette masse là c'est celle qui va être déformée et euh, je ne vais pas le mettre on va dire trop en arrière ou ni trop en avant donc quelque part on va dire au centre alors quelque part ici je pense que ça devrait aller, ça devrait nous donner une bonne déformation et euh, la façon pour vous de le savoir c'est vraiment en faisant des tests, c'est-à-dire euh, je place mes joints, j'essaie, je fais un bind assez rapide et je regarde comment ça déforme, et euh, je fais différents tests et jusqu'à ce que j'ai le meilleur résultat. Ensuite. La rotation de la cheville va être sans doute la cheville on va sans doute la placer quelque part ici je dirais pour la cheville C'est fait Ensuite, il va y avoir ce joint-là de joint de talon que je vais placer. Alors, pour la déformation, c'est un joint qui n'est pas nécessaire. Il va plus me servir de pivot. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que mon rig, si je voulais, je pourrais directement aller à la plante de pied. Allez, quelque part ici. Et ensuite, aller au bout du pied. Ça, c'est un choix. Alors, je vais faire des, euh, je vais faire des delete. Alors, ça, pour revenir à ça, et je vais décider d'utiliser un joint en extra qui va être le joint de talon, qui va me servir de pivot. Alors, c'est juste une façon pour moi rapide de, euh, lorsque je vais faire mon rig, pour, pla pour placer le pivot au niveau de ce joint-là. Donc, je pourrais, comme je le dis, ne pas mettre ce joint-là et placer mon pivot encore sur la, sur la géométrie ici, comme repère. Alors pour la plante de pied, euh, sans doute euh, la déformation va avoir lieu à cet endroit-là, dans cette zone-là. Donc je vais placer, alors on imagine que ça c'est la semelle de, euh, de la chaussure, le pied va se trouver quelque part dans cette zone-là. Donc du coup, euh, j'estime que la déformation devrait se trouver quelque part, en fait la, le pivot devrait se trouver quelque part ici. Alors c'est fait. Et pour terminer, alors le bout du pied. Alors le bout du pied... Encore là, ce joint-là, ce n'est pas un joint qui va me servir de déformation, s'il va plutôt me servir de pivot. Alors je vais cliquer ici pour avoir le pivot. Alors c'est fait. Lors de la création, on va dire euh, des joints, il est important, on va dire euh, des joints, c'est-à-dire pour euh, la jambe, il est important d'avoir un angle. Alors je vais vous montrer un exemple d'angle, exemple ça, ça, ça. Là j'ai un angle qui correspond au genou. Je vais recommencer. Alors si jamais... Lors de la création, on va dire, j'avais fait quelque chose comme ça, ça et ça. Ça pourrait me poser un problème au niveau euh, du IK. On va voir ce que ça donne. Alors, plus tard, quand je vais faire des IK, je vais aller sous euh, euh, Skeleton, euh, Create IK ou IK handle. Alors, il se trouve ici. Parfait. Alors, ça, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est parfait. Et là, quand j'utilise mon IK, ça plie dans le sens que je veux, c'est-à-dire vers l'avant. Je vais recommencer avec cette chaîne là. Et là, ben, on peut voir que ça plie dans le sens inverse, un petit peu comme une autruche. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut sur, pour notre personnage. Donc on va faire attention pour le placement, on va dire, euh, euh, surtout du joint genou, qui soit toujours un petit peu en avant. Et euh, si jamais on va dire, dans certains cas, vous avez vraiment besoin pour la création que ce soit quelque chose de droit. Alors je vais recommencer alors Skeleton, Create Joint. Alors 1, 2 et 3. donc là j'ai quelque chose de droit je vais y placer un ik alors create uh, ik handle donc ça alors euh, donc là j'ai euh, quelque chose de vertical et là quand je bouge mon ik il sait pas dans quel sens qui devrait plier s'il devrait plier vers l'arrière ou vers l'avant alors je vais faire des undo euh, de façon à enlever mon ik et dans une situation comme ça ce qu'il faudrait faire c'est prendre le joint faire une rotation la rotation pour indiquer dans quel sens qu'on veut que le pli se fasse, donc j'aimerais que ce soit de ce côté-là. Et après par rapport à ça, je vais pouvoir faire bouton droit et choisir set preferred angle. Donc là c'est fait. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir remettre la rotation à 0. Et là, lorsque je vais placer le high il ne devrait pas y avoir de problème. Il devrait savoir exactement dans quel sens plier. Alors mon IKE est placé, je me mets en mode translation. Et là, comme on peut voir, je suis capable de plier. Alors euh, ça, ça va être les étapes. J'efface ça. Je vais continuer, c'est-à-dire euh, avec la création des joints. Alors ça qu'on va prendre, on va se mettre en vue de côté. Alors encore, il est fort possible que vous ayez activé le X-Ray Joint qui est là, de façon à le voir dans cette vue-là. Et aussi le Wireframe Unshaded qui est là. Et là, je vais placer ça. Euh, du mieux que je peux au centre de la masse de ma jambe, donc là c'est fait j'ai le placement pour mon, ma première jambe euh, pour faire l'autre jambe, je ne ferai pas de copie que je vais placer là, alors ça j'efface je vais utiliser le mirror, mirror joint qui va se trouver ici, alors skeleton, euh, mirror joint qui est là et euh, je, vais, alors, je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, alors YZ, on va prendre ça et je vais faire un apply et automatiquement il va le faire du bon côté. Alors je l'efface, euh, ça je ne le ferai vraiment pas maintenant parce que euh, il va falloir que j'oriente les joints qui soient bien orientés. Et une fois qu'ils vont être bien orientés et j'aurai choisi l'ordre de rotation, bah, c'est là que je vais pouvoir finalement faire un miroir, un miroir de tout, euh, tout qui va être correct, ainsi que, euh, que ce soit renommé et qui remplace l'exemple le côté gauche pour le côté droit. On va continuer maintenant avec la colonne euh, vertébrale, spine. Alors pour ça, je vais utiliser mon Gris Pencil là, de façon à pouvoir euh, euh, déterminer un petit peu les masses, c'est-à-dire qu'est-ce qui va bouger et ce qui ne bougera pas. Alors en regardant rapidement cela, alors Gris Pencil, euh, c'est celui-là, parfait. Alors là, on va cliquer sur le petit plus ici. Et euh, le bleu, ouais, ça devrait aller. Là en bleu, ouais, ça va être assez visible. Et là, je vais déterminer une base. Donc, euh, on va voir finalement une ossature quelque part ici qui va présenter finalement euh, le bloc qui va présenter la hanche. Ensuite, on a cette partie là qui va présenter un, un peu, on va dire, euh, la cage thoracique qui va être quelque part ici. Donc, ça, ça, sera, ça va être les parties qui n'ont finalement pas de déformation. Et, euh, et la déformation, ben, la plus grosse, va avoir lieu ici, qui va être finalement ma, ma, ma colonne vertébrale. Donc cette zone-là. Alors, ayant déterminé cela, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il y ait un joint qui soit placé ici, et qui va finalement contrôler cette zone-là, toutes les zones que j'ai ici. Ensuite, ici, je pourrais faire plusieurs joints, ou un seul, en fait, ça vous de voir euh, euh, la quantité de déformation que vous voulez avoir qui vont s'occuper dans un premier temps de cette partie-là, et dans un second temps de cette partie-là. Ensuite, pour toute cette partie-là, je ne devrais utiliser qu'un seul joint. Alors là, je vais faire peut-être des, des ronds pour indiquer où je veux placer mes joints. Ça, ça et ça. Alors j'en ai besoin que d'un seul pour contrôler toute cette zone-là, vu qu'il n'y a pas de déformation. Mais euh, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en ajouter un là. Et lui, ben, ça va être pour moi la façon de connecter les bras à, au reste de mon corps. Donc pour la connexion des bras, je pourrais soit le faire ici ou encore ici. Donc je décide de rajouter un joint extra juste pour connecter les joints. Mais ce joint ne, euh, ne fera pas de déformation au niveau de mon corps. Donc ça, ça va être ça pour la création, on va dire, de mes joints. Alors je ferme mon grease pencil. Euh, et là, je vais aller chercher mon outil pour pouvoir commencer à créer ces joints. Alors, Skeleton Create Joint. Euh, alors, je fais attention, c'est-à-dire, là, en ce moment, je viens de cliquer sur le joint de, euh, de la hanche, et en ayant créé, euh, cliqué sur ce joint-là, voilà ce que ça me donne. Ça a finalement relié ces deux chaînes de joints, c'est-à-dire la chaîne de joint de la jambe avec le reste. Alors, je vais faire des undo. Parfait, de façon à voir ce que j'avais au départ. Parfait. Alors, alors j'ai l'impression que c'est un petit peu haut pour le placement de, ce, de la hanche. Mais bon, ça devrait aller. Euh, ça, il va falloir que je fasse. Alors, Alt-Z. Parfait. Donc là, j'ai replacé tout ça. J'ai défait le joint. Alors je vais essayer de partir finalement, faire en sorte de ne pas cliquer sur le joint de la hanche. Alors je vais partir juste à côté. Alors, euh, exemple, ici. Donc de là. Alors le dos bon, plutôt en arrière. De là jusqu'à là. Ensuite, euh, je m'en vais là. Ensuite là. Et là j'aurai celui-là dont je vous parlais. Alors je vais en placer un ici et un ici pour la colonne vertébrale. Euh, je vais continuer. Alors ça j'ai plus vraiment besoin de, du dessin. Ici, je vais l'effacer par la suite. On va y aller avec le coup. Alors le coup... Je vais sans doute. Euh, alors attendez, je vais voir si je suis capable d'effacer ça. Non, pas tout de suite. Alors le coup, euh, sans doute, il va diviser en deux. Alors je vais aller, on va dire, euh, jusqu'à là. à la base du coup. Si je vais là. Ok. Alors, je détermine à peu près où il va y avoir finalement le pivot pour la rotation de la masse, c'est-à-dire qui va être la tête. Ensuite, euh, le pivot de la mâchoire, sans doute, il va se trouver ici, pas très loin. Et là, je vais en mettre un jusqu'à là. Et du... alors, donc, cette partie-là va contrôler la mâchoire. Ça, ça va être finalement le pivot de la tête et le coup, Sans doute, euh, je vais en ajouter un autre ici alors pour ça je pourrais déparenter alors je vais le faire après mais je vais mettre un joint en extra ici pour pouvoir euh, euh, faire la rotation du coup alors euh, on va effacer euh, le grease pencil alors pour ça je vais tout effacer bouton droit dans mon euh, time slider alors je vais euh, juste monter un petit peu pour que vous puissiez voir alors bouton droit ici dans mon time slider ensuite je vais aller sous grease pencil delete frame delete all et là ça vient d'effacer euh, tout, euh, euh, le croquis, enfin les, les traits qu'il y avait. Donc là c'est fait. On va pouvoir continuer. Alors j'avais parlé d'ajouter euh, des joints en extra ici, alors je vais le faire euh, tout de suite maintenant. Ouais, pourquoi pas le faire tout de suite Alors pour ça, ça va être assez rapide. Euh, je vais tout simplement déparenter ce joint là. Alors je vais cacher la géométrie. Alors cette géométrie elle est sous. Euh, ce groupe là alors je vais créer un nouveau layer c'est fait et ce layer là bah, je peux en profiter pour le renommer je vais l'appeler proxy c'est en dessous de ce layer qu'il va y avoir mon proxy c'est fait save alors j'aime bien ajouter euh, un élément un peu descriptif, donc ça va être le proxy layer, parce que sans doute proxy va être utilisé autre part. Donc là, on sait que c'est le proxy layer. Et là, bah, comme pour celui-là, euh, comme ça, je sais voir c'est max layer, le layer max. Alors, save. Parfait. Alors maintenant que c'est fait, euh, la raison c'est tout simplement je voulais cacher la géométrie, de façon à avoir accès à ce joint-là qui est le joint du cou. Shift-P, je l'ai déparenté. Euh, je vais déparenter on va dire à ce niveau là aussi. Shift P. Parfait. Et c'est là que je vais pouvoir ajouter mon joint en extra. Alors j'affiche la géométrie pour qu'on voit, on va dire, qu'on se rende compte de quoi il s'agit. Alors finalement je vais ajouter un joint en extra au niveau du coup. Alors ça. On va aller ici. En vue de côté. Alors la couleur, j'aime pas trop la couleur. Alors c'est pas celui-là que je voulais, c'est celui-là. Parfait. Alors c'est ce joint-là que je vais euh, copier, alors Ctrl D, et ce joint-là qui va être copié il va être placé quelque part ici. Et euh, sans doute je pourrais en mettre un autre ici. Voilà. Alors euh, je vais tout simplement aligner, on va dire, ces joints. Alors pour les aligner, ben je pourrais utiliser exemple une contrainte de position ou encore. Alors je vais, alors je vais montrer un peu comment ça fonctionne avec la contrainte de position. Alors si je mets ce joint-là exactement au centre de ce joint-là et celui-là qui est là. Alors je vais casser ma géométrie. Alors entre ça et ça, ben ce que je pourrais faire, c'est que je prends le premier. Je prends le second, je prends celui que je veux placer au, au centre, et là je vais pouvoir faire mes, en disant mes contraintes. Contraintes point, alors les options par défaut, edit, reset, apply, et là c'est fait. Donc il a fait une contrainte de position sur ce joint là. Et euh, cette contrainte, c'était juste pour pouvoir placer mon joint. Alors je vais sans doute l'effacer par après. Mais avant de l'effacer, on peut voir qu'il y a cette chose-là qui va correspondre aux joints 13 et 12, les poids. Et en changeant les poids, je pourrais déplacer euh, mon joint et le mettre où je veux. Alors je vais. Euh, alors finalement, je vais effacer celui-là. On va afficher la géométrie pour nous aider. Alors le proxy layer. On va se mettre en vue de côté ça, vite côté, alors mon outliner pour, sé pour sélectionner finalement ma contrainte, alors la contrainte euh, elle est là et là je peux bouger alors sans doute je vais placer le joint on va dire quelque part ici et euh, je pourrais et si j'ai besoin d'en placer un ici bah, ce que je pourrais faire tout simplement c'est euh, je prends ça qui est là contrôle donc là c'est fait et là j'en ai fait une copie, c'est-à-dire de celui qui est placé là et je peux encore jouer avec les poids. Alors si je prends ça, alors je vais je prends celui qui est en dessous plutôt et lui avec lui je vais avoir accès à jouer avec mes poids. Et là je peux continuer à déplacer et en placer un ici si je le veux. Alors je pense que j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus haut, mais bon peu importe, ça devrait aller comme ça. Alors je retourne ici à mes joints et là on va tout refaire alors ça c'est une contrainte je l'efface j'en ai plus besoin celle là j'en ai jamais eu besoin je l'efface et là je vais de nouveau relier tout ça et pour les relier ben c'est juste une question de parentage donc tout à l'heure j'avais des parentés, et là je vais reparenter donc de là jusqu'à là euh, on va faire un undo alors de là jusqu'à là parente on va recommencer. Alors, on va choisir l'enfant en premier. Alors, l'enfant, ça va être lui. De là jusqu'à là. Bon, je vais cacher la géométrie. De là jusqu'à là. Parente. Et on continue. De là à là. Alors, euh, okay. Je vais recommencer. Alors, de là jusqu'à là. Parente. Et je continue. Parente et encore là, parente. Alors pour le parente, c'est euh, Edit euh, Parente et là j'utilisais la touche P de façon à le faire assez rapidement. Alors là je viens de créer la colonne vertébrale. Il va me rester euh, les bras et les doigts. Alors les bras, on va afficher la géométrie. Elle est là. Alors la première chose que je vais faire, je sais que je vais avoir besoin d'un joint quelque part ici pour, euh, qu va, euh, pour la déformation au niveau de l'épaule. Donc euh, je regarde la masque est là, sans doute euh, le placer ici. Alors Skeleton Create Joint. Alors en général je construis on va dire euh, les joints on va dire pour euh, les bras en vue de haut et celui que je vais placer maintenant qui est en vue frontale ça va être juste un repère pour savoir à peu près où va se trouver finalement le joint, le pivot pour le joint de l'épaule alors le joint de l'épaule, alors qu'on regarde ça alors on va le placer on va dire quelque part ici, on va essayer ça ici donc c'est fait alors maintenant que ce repère est placé je vais pouvoir aller en vue de haut et là c'est une façon pour moi de voir que le joint que je vais placer euh, va finalement être à la même hauteur que celui-là donc euh, je parle on va dire dans cette zone là alors là je crée alors quelque part ici parfait là ça devrait aller et comme pour la jambe on va s'assurer de créer finalement un, un angle donc de là jusqu'à là et là je vais au niveau du poignet et à partir du poignet, je vais pouvoir exemple m'arrêter là pour l'instant. Ça, ça va être pour le bras. Euh, ensuite, mais que cette chaîne est créée, elle va se trouver au sol. Donc on va se mettre en vue de queue frontale pour pouvoir remonter tout ça. Voilà. Alors ce jour-là qui me servait on va dire de repère, j'en ai plus vraiment besoin. Et voilà. Et là, on va essayer de placer tout ça au centre de la masse. Et voilà, c'est fait. Pour animer ce personnage, je vais sans doute avoir besoin d'une clavicule. Donc, je crée un joint euh, que je vais placer quelque part ici pour la clavicule. Alors, on va regarder ce que ça donne ici. Alors, en mode fil de fer, si j'avance un petit peu ici. clavicule alors pour lui ça devrait peut-être partir de là ça devrait pas être aussi bas que ça ok je vais essayer ça et, euh, et encore bah, ça en, est, en appliquant la déformation en regardant que je vais pouvoir ajuster euh. alors là c'est sûr que ce joint là si c'est la clavicule c'est un petit peu trop en avant faut que je recule un petit peu donc, ça reste quand même à l'intérieur du corps, le pivot. Alors, on va s'essayer avec ça. On va pouvoir relier le tout. Alors, l'enfant va être celui-là. Et le parent va être celui-là. Donc, c'est fait. Et là, je continue. Enfant, parent. Alors, ça, c'est le jaune dont je vous parlais tout à l'heure qui. Euh, euh, permettre de, euh, de relier les bras alors le bras je vais surtout pas le relier ici parce qu'en reliant ici ce que ça donnerait c'est que euh, lorsqu'il va se mettre à bouger la tête c'est à dire euh, le cou exactement à gauche à droite exact, etc ça va entraîner le bras et on est capable finalement nous de bouger nos têtes sans euh, bouger les bras donc c'est pas une bonne euh, une bonne idée de le mettre là ensuite euh, j'aurais pu le mettre ici et là bah ben, il n'y aurait pas de problème c'est à dire euh, euh, de relier finalement ma clavicule à ça étant donné que euh, qu en bougeant finalement le haut de mon corps bah, ça entraîne automatiquement finalement euh, en fait en bougeant cette partie là ça entraîne automatiquement les bras donc il n'y a pas de problème alors ça ça va être ça pour ça euh, relier finalement je vais déparenter pour l'instant et euh, je vais parenter après avoir finalement fait euh, à vérifier l'orientation des joints et avoir changé l'ordre de rotation des joints.